Se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end ce sera le samedi 6 et le dimanche 7 août voilà comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets en premier le chapeau magique en deuxième position vous avez le chat noir et en je vais y arriver en troisième position je vous ai pris la clé Alors, pour les jeux qu'on va utiliser pour cette semaine, on a l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, j'ai gardé le Magic Luna, j'ai euh, pris mon tarot euh, Smith, enfin, euh, j'ai oublié le nom, honte à moi, <laughs> je vais le prendre ici pour vous le montrer. Smith Tini, il me semble bien. Le Smith Tini tarot euh, de, de collectif, je crois. Je vous mettrai le nom hein, dans la barre de description de toute façon. Et euh, j'avais envie de compléter avec une petite carte du jeu Prenez soin de vous de Tia Créa pour avoir un petit message de douceur et, et d'accompagnement pour ce week-end. Voilà, donc ben, j'ai encore une fois rien mélangé comme d'habitude. Voilà, on va commencer avec l'oracle des secrets. Je ne sais pas chez vous, mais ici il fait super chaud. Je vous fais la vidéo, on est jeudi soir pour vous la poster vendredi matin. Et on a 30 degrés encore à 18h30 du soir. Il fait super chaud, on n'en peut plus. Et j'imagine dans les autres pays, c'est encore pire. Voilà. Alors, on va prendre deux cartes. De l'oracle des secrets. Celle-ci. Et j'avais envie de prendre celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Elle a attiré mon regard. Alors, une carte de l'oracle rouge. J'ai dû allumer la lumière. Parce qu'au tout début, quand je vous ai montré les trois objets, il faisait un petit peu noir, je trouve j'ai allumé ah ben voilà la lumière en plus yep. qu'est ce que ça va nous dire pour les énergies de ce week-end du coup voilà yep. alors le magic luna une petite carte ça c'est vraiment un chouette format je trouve euh, c'est adapté aux petites mains et du coup on mélange super bien C'est celle de la dernière fois, ça. Que je vous avais dit dans, dans les guidances précédentes qu'il y en avait une à l'envers. Et après, je peux regarder. Bon, du coup, je mélange encore un petit peu. Comme d'hab, il y aura le timing dans la barre de description. Comme ça, si vous avez envie de zapper tout mon blabla. Voilà, voilà. Alors, une petite carte du Smistini. Je vous le montre vite deux minutes. Je l'ai déjà présenté, hein, mais il est trop comique. Oh, décidément, j'ai mélangé une partie à l'endroit, à l'envers. C'est avec des petits personnages comme ça et dans les arcades majeures j'ai des. Comment dire des, des personnages de Disney aussi. C'est une extension que j'avais achetée, C'est un jeu qui m'a coûté un bras celui-ci. Parce qu'il est venu directement euh, du, je sais, du Japon ou je ne sais plus d'où, d'un pays asiatique. Et ils me l'ont envoyé avec FedEx, donc j'ai payé à porte avion les frais de port. Mais c'est vrai que du coup, euh, il a été envoyé, je crois que le, de, le jour d'après ou la, le jour encore après, je l'avais déjà. Quoi. Voilà. Et il n'y avait que ça comme frais d'expédition, évidemment. Sinon, pensez bien, il choisi autre chose. Mais quand on a un coup de cœur, ma foi. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder trop. Parce qu'il y a déjà 4 minutes de blabla. Voilà, on a nos paquets. Bon, je vais juste regarder où je vais placer ça ici. Voilà. Et bien, on va commencer avec ceux qui ont choisi. Euh, youhou, je vais oui, envoyer Le chapeau. On a la balance avec la justice du coup et la lune. La balance avec l'équilibre, la justice, l'harmonie. Et la lune, l'intuition, magnétisme et les rêves. Peut-être qu'on, j'ai l'impression ici qu'on vous dirait ce week-end, euh, ben peut-être qu'il va falloir euh, essayer de garder un équilibre entre, euh, le, comme on dit, hein, le rêve et, le, et la réalité. Euh, peut-être garder pied sur terre et ben peut-être ne pas euh, trop se laisser tenter par des, peut-être des rêves, euh, des choses qu'on aura envie de, de faire mais qui sont peut-être inaccessibles ou peut-être un peu fous. Euh, il faudra peut-être vraiment garder euh, à, à, le juste milieu entre les deux, entre ben, ce qu'on a. Parfois, on rêve des choses, mais qui sont tout à fait euh, hors de prix ou, ou infaisables, tout simplement. Donc, il faudra peut-être garder l'équilibre entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce que vous pouvez faire ou pas. Et, et ben, évidemment, euh, du coup. Euh, Peut-être pas faire des choses déraisonnées non plus. Ou peut-être aussi que euh, vous devez peut-être euh, trouver euh, bah, l'équilibre, l'harmonie aussi avec votre intuition. Euh, peut-être que vous avez peut-être peur d'écouter votre intuition. Alors que je vous le dis souvent, hein, il faut toujours écouter son intuition. Et peut-être que vous allez trouver, enfin, devoir euh, trouver un équilibre euh, et essayer de trouver la bonne manière euh, pour vous pour euh, suivre votre intuition. Écoutez cette petite voix ici. Celle qui avait sauté, c'était le grand-père. Euh, bah, ça, ça, ça va bien avec ça. Hein. Le grand-père, ce serait plutôt ici la, la sagesse. Donc peut-être qu'on vous conseille de garder l'équilibre et bah, en faisant preuve de sagesse, justement, pour peut-être euh, bah, pour peut-être ne pas faire des choses complètement, euh, complètement déraisonnées. Voilà c'est beau de rêver mais bon des fois il y, y a des rêves qui resteront des rêves malheureusement hein. euh, et bon il faut parfois garder l'équilibre entre les deux mais ici je le vois plutôt comme la sagesse le m'a dit Luna ah ben nous parle d'investissement justement donc peut-être justement euh, que vous, vous avez des, des rêves, euh, des projets, vous avez envie euh, d'investir euh, ou peut-être de lancer un projet et peut-être que vous avez envie d'investir beaucoup d'argent. Ici, on vous dit quand même de, de bien euh, doser le pour et le contre, euh, de bien réfléchir, surtout de faire preuve de sagesse, de bien euh, ben, de bien réfléchir surtout avant de se lancer euh, dans un gros investissement, un truc comme ça. Voilà, pour pas, peut-être que, vous voyez, ici, on rêve, vous rêvez peut-être de cette énorme villa qui est là en haut, mais euh, on vous dit peut-être que c'est pas très raisonnable et que si vous preniez euh, une maison un peu plus petite, par exemple, c'est vraiment euh, une image à la maison. Euh, ben vous vivrez peut-être largement mieux que si vous achetez une grosse villa où vous devrez vous serrer la ceinture pendant des années, par exemple, pour la payer. Voilà, il y a vraiment l'idée de garder l'équilibre entre le rêve et la réalité de ce qui est faisable ou pas faisable. Voilà, ici on a ben voilà, euh, le 10 d'épée, euh, le 10 d'épée qui, qui est plutôt synonyme ici de, ben, de cauchemar. entre guillemets. Hein. Euh, peut-être qu'on vous dit tout simplement que si vous voulez. Euh, si vous voulez pas crouler, euh, ben, pas sous les dettes, mais crouler euh, sous les ennuis, euh, que ça vire au cauchemar, euh, etc., ben, il faut quand même essayer de garder l'équilibre. Euh, du coup, euh, parce que là, c'est vraiment euh, l'idée du burn-out, euh, aussi la, la carte du craquage, euh, pff, ouais, de l'écroulement. C'est vraiment ça s'écrouler sous le, le poids des tracas etc donc on vous dit peut-être que bah, ça colle bien ensemble hein, de garder l'équilibre entre bah, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable de bien y réfléchir surtout et de peser le pour et le contre euh, histoire euh, peut-être de pas foncer tête baissée et de vous retrouver dans dans quelques temps mais bah, complètement euh, complètement euh, dans les ennuis parce que vous avez fait des choses que vous auriez peut-être pas dû qui n'étaient peut-être pas très ben, très, très équilibré, entre guillemets. Voilà. Comme si vous achetez une maison, par exemple, trop chère, ben, peut-être que quelques années après, vous allez crouler sous les dettes. C'est une image. Mais il y a vraiment cette idée-là. Donc faites bien attention, du coup, aux décisions euh, que vous prenez ce week-end. Et ici, on a adaptez-vous avec le caméléon. Ici, j'ai envie de vous dire, euh, c'est la carte qui vous dit, euh, le caméléon, euh, il s'adapte euh, au décor, on va dire. Hein. Donc adaptez-vous. Euh, ben, à, à vous, Adaptez-vous à, à ce qui est bon pour vous, peut-être aussi, tout simplement, avec le caméléon. Peut-être que, peut que vous devez vous adapter aussi à ce que vous avez euh, et à pas, peut-être, vouloir essayer d'avoir toujours plus. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le petit chat noir. Bon, je ne dis pas que ça parlera à tout le monde. Du coup, le joker, tout est possible et la surprise. Euh, oh! Mon Dieu, ben, la bradorite s'en va. Euh, donc, le joker, ben, tout est possible. C'est une bonne carte, évidemment. Et la surprise, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, une cachotterie. Bon, je dis toujours, ça peut être une surprise en bien ou en moins bien. Ça dépend des cartes qui l'entourent. Mais ici, avec la carte du joker, du tout est possible, ben, à mon avis, ce sera vraiment euh, une surprise, hein, quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus, mais qui sera bien. Euh, quelque chose qui, qui sera chouette pour vous. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre, hein. Ah, ben voilà, euh, la carte du sexe. Ben peut-être que vous allez faire une rencontre euh, inattendue et ben peut-être que ça va très bien coller. Euh, vous allez peut-être avoir une, une relation, même, je sais pas, moi d'un soir, ça pourrait. Et on vous dit que tout est possible. Donc, qui sait, vous arriverez peut-être à construire euh, une relation euh, là-dessus. Tout est possible, tout peut arriver. Euh. Mais ici, on a vraiment l'idée de, ben, avec la carte ici, la surprise inattendue, l'imprévu de. Ben, peut-être de tomber, vous savez, parfois on tombe sur des gens euh, et euh, on, est, on est vraiment attiré et ben, on peut avoir euh, une relation, hein, voilà. Et on a vraiment l'idée d'une relation qui nous tombe dessus alors qu'on s'y attendait absolument pas. Mais bon, avec la carte du joker, ça doit être quelque chose qui doit être pas mal. Alors, on a la carte du présent. Ben, ça va bien avec le reste. Peut-être qu'on vous dit de pas trop vous casser la tête et de profiter euh, du moment présent. Il euh, n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, comme on dit entre guillemets. Si vous ne faites pas de mal autour de vous et que ça vous fait plaisir, ma foi, ben, foncez. Vivez le moment présent et ne pensez peut-être pas au lendemain. Euh, parfois c'est mieux. C'est parfois bien aussi de ne pas trop se poser de questions et vivre le, le moment, enfin le jour le jour et de voir comment ça évolue. Alors, ici on a le 5 de bâton. Euh, le 5 de bâton, c'est l'idée euh, bah ici un peu de, de lutte. On voit qu'ils sont en train d'un petit peu se disputer. Hein. De toute façon, les 5 sur les des cartes de, un petit peu de, de crise, entre guillemets. C'est l'idée des, des rivalités, euh, des désirs contradictoires. Euh, ça va dans tous les sens. Euh, euh, défendre son histoire euh, etc. Euh, pas être seul sur l'affaire. Donc peut-être qu'il y aura plusieurs... Euh, peut-être que vous ne serez pas le seul euh, sur... Euh, bah, euh, ne pas être seul sur l'affaire. Peut-être qu'il va y avoir des, des petits... Comment on pourrait dire ça? Vous rencontrez quelqu'un et eh ben, il y aura peut-être d'autres personnes qui convoiteront peut-être la personne que vous allez rencontrer. Vous ne serez peut-être pas le seul à jouer sur ce tableau, entre guillemets, mais on vous dit euh, de toute façon la garde de tous les possibles. Donc, à mon avis, ce sera plutôt pour vous de vivre le moment présent et de profiter un max. Bon, là, ça va plutôt peut-être parler aux célibataires. Bon, c'est pas vrai parce que les, les, les couples mariés parfois font des petits écarts aussi, mais bon, hein. Chacun a fait ce qu'il veut, mais je pense que ça parlera peut-être plus aux célibataires. Et ici, si on a dormez suffisamment. Ça, c'est le, le petit coup d'humour. Ben oui, forcément, si vous faites des, des folies de votre corps ce week-end, ben pensez quand même à vous reposer un petit peu. C'est la carte qui est de la petite note d'humour, ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. Alors, on a l'homme. Et l'œil, l'homme le masculin, l'homme mûr et le père, et l'œil précaution, vigilance, observation. Euh, J'ai envie de dire peut-être que ce week-end vous allez peut-être devoir agir euh, bah, un peu comme un bon père de famille. Vous savez le père, c'est souvent lui qui, bah, qui qui reste vigilant, qui s'occupe de de sa famille, euh, qui prend bah, les décisions pas toujours parce que maintenant les femmes aussi. Mais peut-être que vous allez devoir garder euh, bah, prendre vos précautions plutôt par rapport euh, à une situation. Peut-être aussi prendre le temps d'observer. Euh, de rester vigilant, par, soit par rapport à un homme mûr, ça peut, par rapport à un, à un homme tout simplement, quelqu'un du sexe masculin, ou alors euh, vous, on vous dit euh, ben peut-être euh, d'agir comme un bon père de famille et de bien, de bien être vigilant, de bien euh, observer, regarder la situation ou les gens, avant de prendre des décisions, on va voir ce que nous disent les autres cartes, le mental. Euh, peut-être aussi... Euh, vous allez peut-être beaucoup être dans le mental ce week-end, peut-être euh, bah, peut qu'à force d'être vigilante de prendre vos précautions et d'observer, bah, vous allez peut-être trop réfléchir, trop vous creuser les ménages avant de prendre une décision. Euh, on a vraiment l'idée ici, de, vous voyez, le, le cerveau, hein, le mental, vous allez peut-être vraiment être dans le mental, vous tracasser peut-être pour une situation aussi, euh, peut-être que vous savez pas trop comment faire vous avez envie de prendre vos précautions, etc. Euh, et, mais vraiment, vous allez observer la situation et vous savez peut-être pas trop quoi faire. Et du coup, vous allez vous casser littéralement la tête entre guillemets. Ici, on a un déplacement court. Euh, peut-être que ça pourrait aussi, du coup, euh, peut-être que vous allez être amené à faire un petit déplacement euh, par rapport à une situation. Et bah, peut-être que ce petit déplacement aussi, ça, ça, vous travaille peut-être parce que vous, peut-être que. Ben, peut-être que vous n'avez pas spécialement envie de le faire et peut-être que ça va vous travailler aussi. Euh, ou alors, euh, vous allez être amené, peut-être ce week-end, à faire euh, des petits déplacements. Bon, ici, on voit, c'est peut-être une balade à vélo, euh, des choses comme ça. Peut-être aussi pour vous vider la tête. Vous allez peut-être prendre votre vélo, votre voiture. Euh, moi, je sais que j'avais bien dans le temps, euh, quand j'avais trop de trucs en tête, euh, prendre ma voiture le, le soir et aller faire un petit tour en voiture, ça me détendait. Donc, on a peut-être cette idée-là aussi que ben, d'aller faire. Euh, un petit, une petite balade, un petit déplacement, un petit tour à vélo en voiture, en je ne sais pas quoi, pour justement vous vider la tête euh, qui sera peut-être mise beaucoup à contribution ce week-end. Ah, ici on a le chevalier de pentacle. Euh, le chevalier, ça peut aussi euh, être considéré. Je vais prendre ma carte, ce sera plus simple. Le chevalier de pentacle, donc les pentacles, on est plus dans. Dans les sous-sous, hein, c'est quelqu'un de fiable qui fait son travail. Euh, et c'est aussi l'idée d'avancer lentement mais sûrement. Donc peut-être que peut-être que vous prenez vos précautions et que vous avancez peut-être plus lentement parce que vous n'êtes pas encore certain. Euh, vous êtes peut-être encore en mode observation avant de peut-être sauter le pas. Du coup, forcément, vous, creusez, vous vous creusez beaucoup les ménages, mais votre projet, enfin ce que vous êtes en train de faire. Avance peut-être lentement, mais ça avance. Euh, tout en restant vigilant, euh, peut-être que vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes en mode observation, euh, vous êtes en train de réfléchir, peser le pour et le contre, mais ça avancera, ça avance quand même. Mais vous êtes beaucoup dans dans le mental, dans dans, dans la réflexion euh, justement, euh, ben, justement pour euh, pour voir comment faire, etc. Et ici, on a prenez soin de vous, ben, tout simplement. À force de parfois trop penser. Euh, de penser au projet, etc. On peut oublier de prendre soin de soi. Hein. Donc peut-être que ce week-end, on vous conseille de prendre un petit moment pour vous, euh, pour prendre soin de vous. Peut-être aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, je ne sais pas moi. Euh, prendre un bon bain, prendre un moment pour vous, pour lire. Enfin, vraiment faire quelque chose qui vous fait du bien. À vous. Voilà pour ceux qui avaient choisi la clé. Mais ben, ma parole, ce sont des drôles d'énergies, je trouve. Euh, pour ce week-end. Euh, bah, du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Euh, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous